Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ouvre la séance publique. Je tiens, tout le monde est présent et je tiens à expliquer la présence de Béatrice Delbeuf, puisque Nicolas est en congé du CPAS. Et donc, elle est présidente du CPAS faisant fonction avec une voix consultative et pas délibérative. Nous sommes présents aujourd'hui parce que notre seul objectif est d'être au service du citoyen. Nous souhaitons que ce conseil nous permette de diriger nos efforts vers l'intérêt général au service des citoyens. C'est d'ailleurs la préoccupation première des membres du collège. Je cède la parole à Monsieur Mordant. Séance publique, instauration d'une plateforme de concertation ou task force pour le secteur touché par le Covid-19 et par les travaux. Mise en œuvre d'une task force, c'est-à-dire d'un groupe professionnel prêt à mobiliser leurs forces pour tendre vers le même objectif, apporter une aide substantielle aux acteurs commerciaux, indépendants, sportifs et touristiques de la commune de Spa, suite à l'inactivité prolongée provoquée par la crise du Covid et par les travaux. Le Conseil communal, vu l'article L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, vu la souffrance rencontrée par certains secteurs suite à la cessation de longue durée de leurs activités, vu les impacts essentiels qu'ont plus particulièrement subi les secteurs culturels, sportifs, les indépendants et touristiques, dont les activités sont partiellement ou totalement à l'arrêt depuis mi-mars, engendrant en substance complète de revenus pour de nombreuses personnes y travaillant. Vu la nécessité d'envisager une aide communale dont la forme reste à déterminer après avoir mené les concertations nécessaires, entendu que la pandémie du Covid-19 et les mesures sanitaires édictées en vue de lutter contre cette dernière ont mis à mal l'économie de notre territoire communal. Attendu qu'une relance économique postérieurement à la dite pandémie sera davantage efficace dans l'hypothèse où des secteurs complémentaires ne se livreraient pas à une concurrence inappropriée. Attendu que la richesse de notre commune réside J'ai notamment perdu dans mon son... son. Vous m'entendez? Il y a un problème de son? J'ai perdu son. Non. Dans des secteurs différents peuvent enrichir la Mais construction collective d'une sortie de j'ai tout crise. ouvert, donc on va pas succéder. Pour les secteurs impactés, attendu que les synergies d'acteurs locaux constituent un vecteur d'approche de ladite construction collective. Attendu qu'aujourd'hui, nos commerçants, en plus de faire face aux problèmes du Covid-19, comme dans d'autres communes, d'autres provinces et bien sûr d'autres pays, sont confrontés chez nous, à Spa, aux problèmes des travaux qui jalonnent les endroits stratégiques de notre ville. Attendu que la rue Servet, en raison des travaux, est fermée à partir de décembre 2020, pour une durée d'un an, à l'exception du trottoir du côté commerce. Attendu que les travaux de la place de l'Hôtel de Ville ont débuté le 17 septembre 2019, pour une durée de 80 jours, ouvrables et qu'à ce jour, du 30 décembre 2020, ils ne sont toujours pas terminés. Attendu qu'avant la fin des travaux des anciens thermes prévus en août 2022, les aménagements du pourtour du futur hôtel des anciens thermes devraient seulement arriver à leur terme, impactant fortement la vie commerciale du site. Attendu qu'à ce jour, il y a, à cause des divers travaux dans notre ville, suppression d'environ 263 places de parking, et que si on estime à deux le nombre de personnes dans une voiture et à trois le nombre de rotations sur la journée, on obtient ainsi le nombre d'environ 1 500 clients potentiels qui réfléchiront à deux fois avant de venir faire leurs achats dans notre ville. Attendu qu'à ce jour, de nouvelles réglementations gouvernementales et provinciales sont appliquées pour cause de résurgence des infections du Covid-19. Attendu qu'à ce jour, personne ne sait combien de temps les nouvelles réglementations resteront en vigueur, ni si elles seront encore plus drastiques. Attendu que vous, Madame la Bourgmestre, vous avez mis en place dans notre ville une cellule de crise Covid-19 et que vous avez pu, lorsque l'obligation s'en est fait sentir, vous entourer d'un aréopage de professionnels
pompiers, services de police, CPAS, médecins, etc. Attendu que dans notre ville, nous avons la chance d'avoir plusieurs organismes bancaires qui connaissent très bien leurs commerçants. Attendu que dans notre commune, des citoyens compétents en la matière seraient prêts à vous épauler pour relever le défi. Attendu qu'il y a déjà en place dans notre commune une association de commerçants très dynamique. Attendu la liste des problèmes suivants. Problème d'information en temps utile pour les commerçants, problème d'exactitude dans l'évaluation de la durée des travaux, problème de l'écoute de tous les acteurs commerciaux de notre commune, problème de perte de parking à 2 mois des fêtes de fin d'année, problème de rentabilité de nos commerces, problème de vitrines vides qui jalonnent certaines rues de notre commune, problème de mécontentement général qui ne peut que croître avec la situation que les commerçants vivent actuellement. Considérant que la mise en place d'un organe spécifique doit être décidée à cet effet, considérant la nécessité pour les autorités publiques, après avoir géré l'urgence d'aujourd'hui, de préparer les défis de demain, considérant que les citoyens et les acteurs non politisés doivent être représentés au maximum, à l'unanimité, décide de la création d'une plateforme de concertation pour faire face aux problèmes provoqués par les travaux et la COVID-19 dans notre ville. Demande au collège de, article 1, créer parce qu'elle est le fruit commun entre Alternatives Plus et le pouvoir en place, une plateforme de concertation dans l'esprit de celle déjà installée dans pour informer les citoyens de la crise sanitaire avec la collaboration des commerçants, des organismes bancaires, sociaux, culturels et touristiques et de citoyens concernés directement. Article 2, composer cette task force comme suite. Présidence, un membre désigné par la plateforme elle-même lors de la première réunion. Membre, un membre de chaque groupe politique représenté au conseil communal, un représentant non politique du centre culturel, un représentant politique du CPAS, un représentant non politique de la régie communale autonome, un représentant non politique du centre sportif Warfa, un représentant non politique de l'Office du tourisme, un représentant de l'Association des commerçants, un représentant de l'Association des hôteliers et restaurants de spa et environ, un représentant issu du milieu économique UCM Banque. Membre compétent en la matière et prêt à vous épauler. Article 3, charger cette plateforme de concertation de revenir vers le Conseil communal dans les meilleurs délais avec des propositions précises à mettre en place. Voilà ce que nous proposons ensemble aujourd'hui, le pouvoir en place et Alternatives Plus. Merci. Nicolas Tefna, tu as demandé la parole. Oui, merci. Je voulais juste dire que ici, nous sommes tous passionnés par notre ville et notre engagement en témoigne incontestablement. Par contre, cet engagement peut parfois être très difficile à vivre pour les membres de nos familles, qui doivent toute l'année faire de nombreux sacrifices, comme se passer nous plusieurs soirées par semaine, ou encore quitter une excursion le week-end car il faut reloger une personne en urgence, etc. Vous l'aurez compris, je regrette que vous ayez choisi cette date pour tenir ce conseil communal. Je ne le regrette pas pour nous, mandataires, cela fait partie de notre engagement, mais je le regrette pour les épouses, époux et enfants, à qui certains d'entre nous avaient encore promis de rester près d'eux. Je pense que tenir ce conseil 5 jours plus tard n'aurait pas changé grand-chose à la mise en place de cette task force, d'autant plus que beaucoup de membres pressentis de celle-ci sont également en congé durant les fêtes de fin d'année. Lors du dernier conseil, il m'a été rétorqué que nous n'avions pas besoin du conseil communal pour mettre en place, ou plutôt remettre en place cette task force. C'est pourquoi dès le lendemain, j'ai pris des contacts pour relancer celle que nous avions lancée au mois d'avril avec la bourgmestre. En demandant d'ajouter aux différents prestataires touristiques représentant des commerçants et représentant des hôteliers et restaurateurs, d'autres représentants de secteurs impactés. Néanmoins, après avoir reçu votre proposition, j'ai trouvé intéressant d'y inviter d'autres personnes, comme par exemple, et c'est ce que vous proposez ici, un représentant de l'UCM. C'est vrai que je n'y ai pas pensé,
et je trouve que c'est particulièrement pertinent. Mais je laisse mes collègues faire nos propositions d'amendement afin d'avoir quelque chose qui peut convenir à tous, mais surtout qui serait une vraie force de proposition pour relancer de manière efficace les secteurs impactés par la crise sanitaire. C'est bien ça le plus important. Je vous rejoins. Merci. Merci, Basta demande la parole. Oui, voilà. Moi, j'aimerais vous livrer quelques réflexions dans ce cadre-ci. Tout d'abord, cette plateforme doit être bien entendu une relance pour le post-Covid. Dans ce cadre-là, ne croyez-vous pas qu'il serait justifié qu'un membre de l'administration communale et en particulier du service de dynamisation commerciale soit présent lors des réunions de cette plateforme Task Force, vu que c'est déjà son rôle de faire des relais entre les différentes autorités publiques et les divers acteurs de la vie urbaine spadoise, notamment économique. Par ailleurs, je vous suggère d'ajouter un membre des réseaux des entrepreneurs de Spa, tel Retz, également un membre du pôle social. En plus, ne devrait-il pas être précisé les objectifs et actions de cette task force? La plateforme aurait-elle juste un rôle d'information, travaux, mesures et aides, ou un rôle d'animation, organisation pour les activités, manifestations, rôle de soutien et de conseil? La plateforme rencontrerait-elle les commerçants qui le demandent? Comment la plateforme se chargera-t-elle de communiquer les informations à l'ensemble des commerçants autrement que ce qui est déjà fait, à savoir par email, réseaux sociaux, site web, courrier postal? Pourrait-on préciser si les membres de cette plateforme participeront également à la mise en œuvre des projets ou suggéreront-ils seulement les idées? Et pour terminer, permettez-moi simplement de vous rappeler que c'est une proposition de la majorité à travers Charles et Gilles qui ont introduit la proposition de mise en place de cette task force. Merci. C'est moi qui dois répondre. Allô? Vous souhaitez répondre, Monsieur Mordant? Je trouve que c'est encore une fois lancer la polémique. C'est simplement, on le dit ici au travail, c'est le fruit commun entre Alternative Plus et le pouvoir en place. Il n'y a pas à savoir qui fait plus que l'autre. On travaille à deux ici. Il y va des commerçants, il y va des citoyens, et c'est pas qui a fait quoi. On est à deux ici. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et pas le reste. Je regrette encore une fois une entrée comme ça, fracasseur de M. Bastet, et c'est malheureux. Il représente des commerçants et ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Excusez-moi, M. Bastet, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Enfin, ce qu'on représente, nous, c'est 30%. On est l'opposition. On ne fait que travailler en vous tendant la main. Et ici, encore aujourd'hui, vous allez dans le sens contraire. Je ne peux que regretter. Maintenant, tout ce qu'on désire, c'est que ça passe. Et que ça passe. Et après, on pourra discuter autour de la table qui fait quoi, comment on fonctionne. Mais pas aujourd'hui soir. Ça ne sert à rien. C'est tout ce que j'ai à dire, Madame la Bourgmestre. Merci. Oui, Gilles. Oui, merci, Madame la Bourgmestre. Donc voilà, comme l'a dit Nicolas et Francis, on a évidemment toute une série d'amendements à vous soumettre. Le premier étant votre proposition d'ouverture à représentants du secteur financier. On est évidemment tout à fait d'accord. C'est une excellente idée auquel il est clair, nous n'avions pas pensé. Maintenant, donner la présidence à un membre élu lors de la première assemblée ou choisi au hasard, peu importe. Selon nous, il va y avoir un problème de légitimité du membre pour aller peut-être devoir aller trouver un organisme financier au nom de cette commission qui représente d'une certaine façon la ville. Donc, on a vraiment tout un problème de légitimité là-dessus. Et on a également un problème sur l'onglet travaux dans cette fameuse task force, puisque c'est une task force qui a pour but, pour cible, la crise sanitaire. Et selon nous, les travaux ne sont en aucun cas liés à cette crise sanitaire. Les travaux, ce sont des signaux nécessaires et positifs pour une ville. Ça montre qu'une ville bouge, se transforme et évolue. Et donc, ce n'est absolument pas négatif comme ça pourrait le laisser sous-entendre. Autre point d'attention pour nous, c'est concernant la durée de cette crise sanitaire. Étant donné que c'est une crise sanitaire qui a pour but de répondre à la crise du Covid, il nous semble évident que nous souhaiterions la fin de cette task force en même temps que la crise du Covid en elle-même. Voilà, je pense avoir été complet. Je ne sais pas si quelqu'un de chez nous veut rajouter quelque chose. Je voudrais juste intervenir au sujet des travaux, M. Bruck.
Vous pouvez savoir aussi que les travaux ont commencé le 1er décembre à la place de commencer le 7 janvier. Et nous sommes persuadés que si cette taxe forte ou autre avait été mise en place il y a 2 mois ou bien 1 mois d'ici, je ne suis pas certain que les travaux auraient commencé parce que les commerçants auraient été présents et auraient réagi de suite. Voilà aussi pourquoi il faut aussi faire attention aux travaux qui se répercutent chez nos commerçants. C'est problématique, les travaux. Si je peux prendre la parole. Oui. Oui. Ben, simplement, pour abonder dans le sens de ce que vient de dire Gilles, moi, vraiment, la proposition d'alternative est une proposition, évidemment, qui nous parle, hein, puisque c'est vrai, ça a été rappelé par Francis, c'est une proposition qu'on a faite il y a peu de temps. C'est vrai que moi, j'ai vraiment un souci et je suis assez d'accord avec Paul sur le fait qu'il faut là, clairement, essayer de chercher à se rassembler pour être aux côtés, évidemment, des personnes qui vivent des difficultés réelles pour le moment et face auxquelles il faut réagir et donner le plus de perspectives possible. Cette task force veut être une task force, évidemment, en fonction de ce qui se passe avec la crise de la COVID et surtout accompagner, évidemment, une relance qui sera bien nécessaire. Ma crainte par rapport à tout ce qui a été rajouté concernant les travaux, même s'il est évident que les travaux, quels qu'ils soient, ont un impact sur l'activité économique d'une ville, ça, c'est factuel, mais c'est le cas en toute période. Ma crainte, en ayant énormément de points, finalement, tant par rapport aux travaux que par rapport aux problèmes qui sont cités liés aux travaux et non pas à la crise de la COVID, c'est effectivement d'avoir finalement une task force qui ne travaille pas par rapport vraiment à cette situation tout à fait particulière vécue par les Spadoises et les Spadois, mais par l'entièreté du monde pour le moment, liée à cette problématique de la COVID. Ma crainte est que l'on dilue finalement les travaux qui seront vraiment nécessaires par rapport donc à la mise en place de cette task force. Vous venez de voir apparaître mon petit bout de chou qui effectivement n'avait pas prévu cette soirée consacrée à cela, mais c'est bien nécessaire. Donc voilà, moi j'ai les mêmes réserves évidemment que celles exprimées par Gilles par rapport aux ajouts liés à la problématique des travaux. Moi je ne nie pas que ces travaux peuvent avoir un impact négatif pour les uns et pour les autres, mais le sujet aujourd'hui n'est pas celui-là. Le sujet est réellement, Nicolas s'il te plaît, le sujet est réellement de pouvoir travailler par rapport à cette crise de la COVID qui a déjà toutes ses spécificités et qu'il va falloir prendre en compte de façon extrêmement pointue. Donc voilà, moi j'ai les mêmes réserves et je crois qu'il est inutile. Alors bon, je ne vais pas revenir sur la proposition qui était faite par Gilles et moi où effectivement on ne voyait pas apparaître ces différents points, mais je crois vraiment que il y a énormément de points qui, en réalité, sont liés aux travaux et qui nécessiteraient alors une réflexion, mais qui, à ma connaissance, peut exister à travers la commission des travaux, par exemple, dans une vie communale normale. Ici, vraiment, notre souhait, et je pense que c'est le vôtre aussi, hein, donc je pense qu'on va pouvoir arriver à se trouver là-dessus, c'est évidemment de réagir par rapport à cette crise de la COVID. Et là-dessus, vraiment, on ne veut pas que ça devienne une espèce de task force fourre-tout, ou en tout cas fourre tous les problèmes liés aux travaux qui peuvent être, eux, réglés à travers la tenue normale et logique d'une commission des travaux ou simplement par rapport aux travaux d'un conseil communal ou d'un collège. Charles et Gilles, je voudrais juste intervenir, juste une chose. Tu vas aller expliquer ça aux personnes, aux commerçants qui travaillent rue Servet, qui sont rue d'Agly et qui sont sur la place de l'Hôtel de Ville. Tu vas leur expliquer qu'on va travailler sur une task force pour le COVID-19 pour régler ce problème-là. Et les travaux, parce que c'est lié aux deux, c'est quand même, ils sont pénalisés des deux côtés et je crois qu'il faut quand même y faire attention. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être deux sujets différents, ah ouais. Mais je trouve que quelque part, il faut aussi les entendre. On voit la rue d'Agly qui dépérit et le fait du Covid-19 en plus leur fait du mal. Et je crois que ce n'est pas un fourre-tout que de mettre une plateforme comme ça d'information.
je t'expliquais aussi d'où ça vient. C'est en allant chez mon banquier où je lui expliquais un petit peu ce qui se passait. Excusez-moi si je dévie du sujet. Mais en allant chez mon banquier, il y a 3 mois d'ici, pour un peu avoir des explications sur ce qui se passait. Et s'il était proche des commerçants spadois, et s'il avait déjà vécu ça dans d'autres communes, et il m'a répondu oui. Il y avait une rue commerçante dans un coin à Liège qui était exceptionnelle. Et à cause des travaux, elle s'est dégradée et elle est devenue vraiment… les commerces ont fermé les uns après les autres. Ici, il y a en plus le Covid qui pénalise ces commerçants-là. Et je crois franchement que ce n'est pas un fourre-tout de les mettre dedans. On peut faire 2 commissions si tu veux, ou bien deux. Mais il faut absolument y penser également parce qu'ils doivent subir le Covid plus ces travaux. Voilà ce que j'ai à dire. Je vais répondre à ton interpellation, puisque tu me poses la question de savoir si je pourrais aller expliquer aux commerçants rue Servet, par exemple, ce que je viens de dire. Alors, je te le confirme, ce que je viens de dire, je le répète, et je souhaiterais que ça ne soit pas évidemment transfiguré de quelque manière que ce soit, c'est que les deux problèmes sont importants. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est la mise en place, enfin ce que vous proposez aujourd'hui, et ce que nous avons proposé quelques jours auparavant, c'est la mise en place d'une task force pour réagir et accompagner la relance nécessaire et évidente de l'après-Covid. Autre chose, et ça fait partie de l'activation normale, me semble-t-il, de ce que doit être, par exemple, une commission des travaux, par exemple, le travail d'un conseil communal. Et je trouve tout à fait légitime les questions que tu peux poser ou que d'autres peuvent poser sur la situation vécue par des commerçants aujourd'hui rue Servet, hier. On en a parlé longuement concernant la place du monument et on peut en parler de toute une série d'endroits. Ce sont des choses récurrentes, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Il ne s'agit absolument pas de minimiser leur impact, mais ça n'est pas lié à la crise de la Covid. Et je pense que nous devons aujourd'hui, me semble-t-il, nous focaliser là-dessus, ce qui n'interdit évidemment nullement. Et je pense d'ailleurs que c'est déjà pris en compte et ça peut l'être encore plus. Moi, je ne dénie à personne le droit de venir pointer des difficultés spécifiques. Mais je pense vraiment qu'on gagnerait à être clair aujourd'hui et à travailler sur une task force qui va accompagner la relance nécessaire de quelque chose que là, par contre, on n'a jamais vécu et que nous espérons ne pas revivre dans les années à venir. C'est un espoir qui est effectivement cette crise de la Covid. Ça n'est pas lié aux problèmes récurrents rencontrés sur des chantiers, même si ceux-ci sont par ailleurs extrêmement importants et doivent être pris en compte. C'est alors, les deux mains levées, Charlotte d'abord et puis Franck. Oui, voilà, je voulais rappeler aussi que chaque année, la commune verse à l'association des commerçants un montant de 20 000 euros dans le cadre justement des travaux pour aider les commerces qui ont des travaux dans leur rue, etc. Ça, c'est une décision qui a déjà été prise il y a maintenant près de 2 ans et donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Franck ? Oui, simplement donc. Par rapport aux travaux, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose, Charles, tu as raison de le dire, qui a lieu de tout temps. Chaque fois qu'on fait des aménagements dans la ville, il est clair que c'est un problème. Je ne pense pas qu'à la commission des travaux, on aborde la problématique autre que de la problématique technique. C'est souvent les problématiques techniques et d'aménagement du territoire qui sont abordées et très peu les aspects économiques qui le sont pour y être déjà depuis quelques années, mais pourquoi pas, elle pourrait en traiter également. Donc, il faudrait qu'elle puisse se réunir par rapport à ça. Mais je pense que la proposition commune que nous faisons, vous et nous, c'est quand même de réunir les acteurs autour d'une table et de gagner du temps. C'est pour ça, c'est de retrouver les gens autour d'une table et de pouvoir discuter directement des problèmes et de ne pas attendre la tenue d'une commission des travaux ou de diluer les choses. Je ne pense pas que ce soit incompatible. Enfin, nous avons le sentiment, en tout cas, que ce n'est pas incompatible. Alors, par rapport aux propositions, enfin, aux amendements que vous apportez, je pense qu'on est d'accord au niveau d'alternatives par rapport au fait que la présidence soit assurée, comme Gilles Bouc l'a demandé par rapport à l'échevin en charge de cette matière, ça c'est certain. Au niveau de la participation de la personne qui s'occupe de la redynamisation des commerces, bien entendu, c'est une bonne proposition de votre part. Au niveau du réseau RED des entrepreneurs, on est évidemment d'accord aussi, bien entendu. Le pôle social, évidemment.
Et donc voilà, je pense quand même qu'autour de la table ici ce soir, on a quand même une majorité de personnes, sans me tromper, qui sont quand même d'accord grosso modo avec la proposition qui est une fusion entre la proposition que vous aviez voulu présenter au dernier conseil et des propositions qui avaient été faites par M. Mordant il y a deux, 3 mois. Voilà, c'est tout. Et donc, je pense que ce serait intéressant que ce soir, on puisse y arriver et qu'on puisse, de manière tout à fait, en bonne intelligence, trouver un compromis et pouvoir clôturer ce conseil ce soir avec une proposition qui sera votée et mise en application. Pardon, Yves Libert demande la parole. Oui, merci. Eh bien, moi, ce soir, je suis un peu content de voir que, enfin, le 30 décembre, l'esprit de Noël est vraiment arrivé sur le conseil communal. Je suis désolé de casser un peu l'ambiance, mais j'ai quelques remarques à faire, tant sur la forme de ce qui se passe que sur le fond. Et je pense que Laurent complétera également, parce que lui aussi a des observations à faire. On a assisté la fois dernière à un conseil communal absolument abominable. Ce sujet aurait dû être abordé et il a dû être écarté pour des raisons tout à fait que j'ai trouvées ridicules. On aurait pu en parler. Mais bon, voilà, heureusement, les esprits se sont réveillés. On en parle ce soir. Je suis assez d'accord avec Nicolas pour dire que on préférait passer la soirée du 30 décembre avec ses proches. Mais c'est vrai, c'est notre engagement, on est là pour ça et nous sommes présents ce soir pour en discuter avec vous. Je suis un petit peu aussi, je me sens pas à l'aise dans la discussion. J'ai entendu plusieurs fois et c'est aussi écrit dans la délibération qui est proposée ce soir que c'est une décision qui est prise à deux, Alternative Plus et la majorité. En gros, nous, on n'est pas compté dans la discussion, même si on est là. On n'est pas pris en considération et ça me déplaît fortement. Je pense que quand on veut essayer de fédérer autour de soi et faire des propositions qui conviennent à tout le monde et qui réunissent tout le monde, comme vous êtes en train de le dire tous ce soir, eh bien, on prend en considération tout le monde. Ce n'est pas une décision qui se prend à deux, c'est une décision qui va se prendre à 4 formations. Donc ça, c'est une chose que je voulais soulever et je ne suis absolument pas d'accord d'entendre qu'il n'y a que Alternative Plus et l'EMR qui sont là pour décider et pour faire des propositions pour l'Espadois. Je sais que les propositions, elles sont venues de vous, de Paul Mordant à plusieurs reprises et de Charles et Gilles à d'autres reprises. Mais nous sommes là et nous aussi, nous pouvons, je pense, contribuer ou donner notre avis. Donc, c'est pour la forme. Et voilà. Cela dit, je suis vraiment, pour revenir là-dessus, content du ton et de la manière dont les choses sont abordées ce soir, parce que c'est enfin constructif. Il y a des propositions qui sont faites et il y a des convergences qui se dessinent. Et ça, c'est positif. On va enfin pouvoir avancer. Maintenant, sur le fond, nous, on a des questions, on a des interrogations, et puisque vous avez réfléchi à tout cela, on espère que vous allez apporter des réponses. La première question, et elle rejoint quelque chose que Charles a déjà largement exprimé, c'est que ne pensez-vous pas que la mission, enfin, qui n'est pas vraiment définie dans la proposition de ce soir, mais que cette commission sera chargée quelque part d'une mission excessivement large où on va toucher à tous les secteurs. On va parler du secteur commerçant, du secteur restaurant, enfin, horeca, on va parler du secteur culturel. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de choses en même temps et que du coup, on va un peu s'y perdre? On va inviter des participants qui vont venir de tous ces lieux, de tous ces secteurs. Chacun va venir avec son problème particulier. Et donc, on ne sait pas, nous, on ne voit pas très bien comment, dans ce groupe, on va pouvoir un peu harmoniser tout ça. Donc, ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est, bon, voilà, on est en train de mettre en place une task force, une plateforme,
une commission. Et des commissions, il y en a déjà beaucoup. Il y a une commission des classes moyennes. Est-ce que parmi les commissions qui existent déjà, on ne peut pas les travailler, si on parvient à les réunir, dans le sens que vous souhaitez, pour éviter de devoir à nouveau créer quelque chose qui pourrait faire double emploi avec ce qui existe peut-être déjà. Ça, c'est une autre question qu'on se pose. Une troisième question, c'est aussi justement sur les missions. Et là, de nouveau, ça a déjà été dit par Charles, je pense que ça a été dit par Gilles aussi, mais quel va être finalement le rôle de cette commission? On va réfléchir, on va discuter, on va faire quoi? Des propositions au collège, au conseil communal? La commission, enfin la task force, la plateforme, n'aura pas pouvoir de décision, mais donc qu'est-ce qu'on va lui confier comme mission de manière précise et quel sera son rôle? Comment voyez-vous les choses pour qu'elle puisse redynamiser finalement les secteurs que vous visez? Et la dernière question qu'on se posait était peut-être aussi plus sur un aspect qui est pratique, c'est que dans le point qui est déposé ce soir, on a dénombré pas moins de 12 personnes qui seraient invitées dans cette commission. Si j'ai bien compris Gilles, il serait question d'en inviter encore plus. Comment allons-nous réunir tous ces gens? Pour l'instant, ça ne pourra se faire que comme on est en train de le faire maintenant via une vidéoconférence. Avez-vous consulté les différents secteurs, l'association des commerçants, l'association des hôteliers, des restaurateurs, pour voir s'ils étaient disposés à participer et s'ils pouvaient déjà proposer quelqu'un? Donc, avez-vous déjà pu vérifier si finalement toutes les personnes qu'on souhaite mettre autour de la table sont partantes et vont pouvoir participer, et vont pouvoir participer rapidement? Parce que là, nous, notre crainte, c'est qu'on décide ce soir le 30 décembre. On aurait peut-être pu décider ça le 17 décembre. On aurait peut-être décidé ça la semaine prochaine, mais peu importe. Le but, c'est que, que ce groupe, s'il se crée, soit efficace et soit rapidement en ordre de marche. Donc, dans quel délai est-ce qu'il pourra se réunir, commencer à réfléchir et faire justement les propositions qu'on attend de lui? Est-ce que entre le moment où on va le mettre en place et les premières réunions, les premières propositions qui seraient faites, est-ce que on sera toujours dans un état entre guillemets d'urgence ou de crise qui nécessitera la réunion de ce groupe? Donc voilà un peu toutes les réflexions que nous avions, toutes les questions qu'on a, et voilà les réponses que vous allez nous apporter. Elles seront un peu déterminantes de la décision qu'on prendra, nous, ce soir, par rapport à ce point. Si je peux. Monsieur Mordant, avant que vous ne répondiez, il y a deux mains levées, Charles Garbier et Nicolas Tefnin. Et Gilles Bruc, qui n'a pas sa... Bon, simplement, tout d'abord, Yves, désolé, bon, je le dis tout simplement, parce que ta première remarque, moi, elle me touche, parce qu'effectivement c'est une maladresse, rien de plus, mais quand même, les symboles ont leur importance. Effectivement, il ne s'agit pas d'imaginer qu'aujourd'hui on sorte avec autre chose qu'un vote à l'unanimité, et ce ne sera pas la proposition ni du MR, ni d'Alternative Plus, ni du MR et d'Alternative Plus, ni de la majorité, ça avait été dit, etc. Mais j'espère que ce sera évidemment une proposition commune à chacun, et il ne s'agit pas d'imaginer quoi que ce soit d'autre. Et désolé, vraiment, je te le dis tout simplement, désolé si ça n'a pas été dans les expressions des uns et des autres, y compris la mienne, clairement exprimée, parce que c'est plus une maladresse qu'une intention, sois-en certain. Ouais, je le dis en mon nom, mais je ne suis pas loin de penser que chacun effectivement partage mon avis, quelles que soient les bancs sur lesquels il se trouve. Alors tu poses une série de questions. Voilà, un certain nombre vont un peu dans le sens des interrogations que j'avais. Je ne vais pas vous inviter à reprendre la proposition qu'on faisait avec Gilles, parce que ce serait trop simple, mais je pense en tout cas qu'on doit être très ciblé sur les difficultés liées à la COVID, ne pas partir nécessairement dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que les autres problèmes, et j'insiste là-dessus, Paul, ne doivent pas être pris en compte. Ils doivent l'être,
Les problèmes de travaux doivent l'être en permanence dans une gestion communale. Et je pense, et on peut en débattre aujourd'hui, mais je pense qu'ils l'ont été dans toute une série de cas de figure. Ils le sont encore aujourd'hui et peut-être peuvent-ils l'être encore de manière différente. Il appartient évidemment au conseil communal de faire des propositions dans ce sens, de contrôler le travail du collège, qui, à mon sens, est plutôt bien fait, tu le sais, mais il n'en demeure pas moins que c'est tout à fait logique de s'interroger là-dessus. Il nous appartient d'imaginer le futur, en fait, et c'est très complexe, parce qu'on n'a jamais connu ce que nous vivons. Et donc, effectivement, je crois qu'il va être nécessaire de se réunir un certain nombre. Franchement, je vais parler de la proposition que l'on portait avec Gilles, mais je l'ai ressenti complètement dans la proposition faite par Alternative et la réaction de Franck allait dans ce sens-là. Bah, on n'est pas fermé à rajouter des gens, peut-être même les faire venir au cas par cas en fonction des thématiques. C'est peut-être aussi une possibilité. Ce qu'il faut, c'est se mettre au travail le plus rapidement possible. Et puis, c'est tout. Voilà, je crois que c'est simplement de cela qu'il s'agit. Et on ne connaît pas la réponse à tout. On est confronté à quelque chose qu'on n'a jamais connu. Ce qui serait, à notre sens, et quand je dis ça, je ne sais pas qui je dois englober, mais à mon avis, pas mal de monde, ce qui sera, à notre sens, complètement inconscient, c'est de ne pas prendre en compte simplement la situation telle qu'elle est, qui nous oblige à une mobilisation la plus large possible. Ça a été tenté, d'ailleurs, ça a été rappelé par la bourgmestre, par Nicolas, ça a été proposé par Paul sous d'autres formes. Donc, je pense qu'on est tous, au final, en train de vouloir cela. Et donc on doit se mettre en place le plus rapidement possible. Moi, simplement, je le redis, et ce n'est pas pour avoir une plume au final à notre chapeau, se rapprocher de la proposition originale, mais vraiment je mets en garde sur le côté trop axé sur les travaux et les difficultés liées à ceux-ci dans la proposition d'alternative qui est finalement assez proche de ce que nous faisions avec Gilles, mais bon, au nom d'une majorité, bien sûr, je le rappelle quand même, et bien sûr, en voulant y inclure une unanimité, ce qui fait la différence, c'est vrai, la prise en compte de toute une série de problèmes spécifiques qui existent, hein, Paul. Moi, je ne les nie pas, je n'ai pas envie de te dire, quand tu parles de places de parking, quand tu parles de ceci, de cela, moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a aucune difficulté, je te dis que ça doit être, me semble-t-il, traité en permanence dans une commune. Ça doit faire l'objet de travaux constants, ça doit faire l'objet d'une attention spécifique d'un conseil communal et d'un collège et éventuellement de réunions d'une commission dans ce sens. C'est vrai, peut-être, moi je ne suis pas dans la commission des travaux, qu'on ne parle pas de certaines choses, ça peut être évoqué et changé demain. Moi, ce que je crois, c'est qu'on doit vraiment se focaliser, et on aura déjà beaucoup de boulot, à réinventer le futur de l'après-Covid. Et donc, j'irai straight to the point. Je m'excuse d'utiliser une expression anglaise. Il faut vraiment que j'arrête avec ça, puisque je défends la langue française. Bon, il faut aller droit au but et se centrer vraiment sur la problématique de l'après-Covid et vraiment écouter les uns et les autres. Paul, je te rassure, hein, je suis très près dans le commerce. Je t'écoute. Non, mais c'est parce que tu m'as un petit peu dit, ouais, est-ce que tu vas aller expliquer ? Écoute, Paul, je vais dans les commerces spadois, vraiment, je suis très présent et je les entends, je les écoute et je compte continuer à le faire. Et simplement, je pense que nous devons le faire tous ensemble et essayer d'être vraiment à leur côté de la façon la plus efficace possible. Et ça va parler de travaux dans certains cas, mais il y a des commissions, il y a un échevin, il y a des structures pour cela. Et là, je crois que nous devons aujourd'hui nous entendre le mieux, le plus vite possible sur une force de frappe pour réagir à l'après-Covid. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je souhaite et j'espère qu'on va pouvoir rapidement tomber d'accord là-dessus. Nicolas. Oui, merci. J'avais prévu de répondre quelques trucs que Charles a déjà répondu, donc je vais vous faire l'économie des doublons. Peut-être sur la première remarque de forme de la part d'Yves, et je le rejoins, c'était d'ailleurs une de nos propositions de modification dans le projet de délibération qui était envoyé. Je pense que c'est Marie-Paul qui n'a pas encore eu l'occasion de prendre la parole d'ailleurs, qui allait en faire la remarque. Mais évidemment, et là, tout le monde est d'accord,
Il n'y a pas lieu, enfin, je pense que ça n'a été l'intention de personne de nier aux ONSPA. Maintenant, sur le fond, et peut-être pour t'apporter, Yves, quelques éléments de réponse, et je ne sais pas si on me rejoindra, quand allez, peut-être faire part de la petite expérience qu'on a eue avec la bourgmestre qu'on avait lancée, mais principalement sur le secteur touristique, une task force. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai vu la proposition de Charles et Gilles, ou une proposition, peu importe, de lancer ça, mais pour l'ensemble des secteurs, ben, ça me paraissait intéressant, parce qu'on l'a fait pour le secteur touristique en mettant autour de la table différents acteurs, les commerçants, les hôteliers, restaurateurs, la directrice des thermes qui était là chaque semaine aussi, donc on se réunissait de façon hebdomadaire. La première question qui a été posée, c'est comment est-ce qu'on peut être à vos côtés ? Et il s'agissait de prendre un petit peu de hauteur, de se dire, ben, on ne va pas se louper sur la période estivale, si on est déconfiné à ce moment-là. Donc, je rappelle que quand on se réunit, on était confiné, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on savait qu'un jour, on serait déconfiné. Le seul truc qu'on ne savait pas, c'était ben, quand. Mais à ce moment-là, on ne voulait pas, au moment du déconfinement, au moment de la relance, ben, commencer à se demander, ben, tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour venir en soutien ben, des restaurants fermés, des hôtels à moitié fermés, pas fermés, enfin, c'est assez compliqué. On voulait, à ce moment-là, ben, déjà imaginer différentes pistes de réflexion, déjà mettre différentes choses en place. On l'a fait à travers un agenda hebdomadaire pour nos activités touristiques, etc. Donc, je ne vais pas reprendre tout le programme de l'été, mais je pense que tu comprends, Yves, la philosophie. Et donc, à ta question, est-ce que ça ne ferait pas double emploi ? Je ne pense pas. C'est justement l'intérêt de quelque chose de tout à fait spécifique pour la reprise post-Covid. Je vais l'appeler de cette façon-là. Donc, je trouve que c'est tellement important qu'il doit y avoir effectivement, appelons le groupe de travail, tout à fait spécifique. Donc, en gros, ça prendrait la forme, et c'est comme ça que je l'imagine, de ce qu'on avait mis en place avec Sophie pour le secteur touristique. Mais à ça, ben, voilà, parce qu'on reprend les mêmes acteurs, hein, quelque part. On ajoute des acteurs du secteur culturel, du pôle social, et je m'en réjouis, secteur sportif, etc. Moi, je pense que ça peut bien fonctionner. Je comprends évidemment cette crainte. Est-ce que ça peut bien fonctionner à partir du moment où il y a 15 acteurs autour de la table? L'intérêt, et ça avait fonctionné au mois d'avril, c'est inviter l'ensemble des acteurs à prendre un peu de hauteur et à prendre des mesures ou en tout cas à formuler des propositions qui visent à relancer l'ensemble des activités sur le territoire de SPA. Je pense que dans ce qu'on a créé avec l'Office du tourisme, ben, il n'y avait rien de spécifique pour un secteur. C'était, ben, OK, la période estivale, c'est une activité touristique qui doit fonctionner parce que c'est ça qui va remplir les commerces, les hôtels, les restaurants, etc. Et je pense qu'à SPA, ça a plutôt bien fonctionné. On a même eu différentes félicitations. Là, je me permets de faire taillot de la part du cabinet de la ministre. Et Charles l'a dit la dernière fois. Donc, voilà, en gros, j'espère avoir pu t'apporter quelques éclaircissements, Yves. C'était en tout cas le but de ma prise de parole. Je peux prendre la parole ? Gilles, excuse-moi, Gilles, vas-y. Merci, Madame la Bourgmestre. Ben voilà, je pense que tout a été dit. De nouveau, oui. Les interventions sont... Moi, j'avais peut-être juste une chose à dire. Bon, je ne me vois pas, donc vous ne me voyez pas certainement non plus, mais vous m'entendez au moins. Marie-Paul, c'est Gilles qui avait la parole. Ah, pardon, ben tu vois, je... Pas okay. Mais effectivement, on ne vous voit pas. Ben non, je ne sais pas comment je dois faire non plus, alors ce n'est pas grave. L'essentiel, ce sera de m'entendre. Ok, allez Gilles. Gilles a parlé, Monsieur Mordant a demandé la parole et puis ensuite je vous laisserai la parole. Je vais aller vite hein, parce que je vois que Marie-Paul s'impatiente. Voilà, tout a été dit. Hein. Moi, je vais juste peut-être préciser à Yves qui demandait peut-être des précisions sur les missions concrètes. Ben, la mission, elle est simple et elle est complexe à la fois. Elle est simple puisque sur papier, il suffit simplement, c'est vraiment que cette task force arrive avec des propositions concrètes qui viennent du terrain directement.
pour les rapporter au collège, que le collège les analyse et procède ensuite, oui ou non, selon la faisabilité, à la mise en place de ces mesures. Maintenant, c'est difficile dans le sens où, ben, comme tu l'as dit, et comme Nicolas et Charles et M. Mordor l'ont dit, c'est une approche qui se veut pluridisciplinaire. Donc, c'est difficile, en effet, de mettre, comme tu l'as dit, tous ces acteurs autour de la table pour avoir un maximum d'efficacité. Et donc, voilà, nous, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait que la présidence revienne à un membre du collège, c'est pour avoir ce lien directement avec l'exécutif et ne pas perdre de temps ou d'efficacité en n'ayant personne relais entre le collège et les rapports qui étaient faits par cette task force. Voilà, simplement. Monsieur Mordant. Oui. Ben voilà, je rejoins un peu ce qui a été dit ici par aussi bien par Gilles, Nicolas et Charles. Mais pour rappeler, Yves, ce qu'on avait proposé au départ, c'était bien sûr une cellule de crise, qui n'était pas non plus le bon terme. Et les commerçants, en leur temps, ont eux demandé une plateforme parce qu'ils se sentaient, ils voulaient se faire écouter et travailler avec le pouvoir en place. Donc c'est de cela aussi qu'on est parti, en demandant une plateforme de communication. Donc aujourd'hui, on en est là. Ben, on peut peut-être regretter qu'on n'ait pas pu se mettre autour de la table comme on se met aujourd'hui, il y a 2 mois d'ici, parce que voilà, on aurait pu en discuter avec des propositions de Charles et de Gilles également. Et toi aussi, Nicolas, quand j'entends ce que tu dis, ben, on aurait pu mettre ça il y a 2 mois aussi. Maintenant, ben, le but, il est qu'aujourd'hui, on s'entend bien, qu'on sache chacun ce qu'on veut. Maintenant, la cellule des travaux, Charles, comme tu dis, ben, ça, c'est une question qu'on a se poser aussi. Est-ce qu'on l'apprend ou est-ce qu'on n'apprend pas? Moi, je trouve qu'il faut quand même poser la question aux commerçants qui sont impactés, parce que c'est eux qui ont crié. Ils ont quand même crié il y a 3 mois d'ici en disant, bon, voilà, on a les travaux, maintenant, c'est le Covid. Donc, bon, voilà, est-ce qu'il faut s'aider les deux? Ce sera à la commission de le dire et de s'aider. Voilà. Sinon, je vous rejoins parfaitement. S'il y a d'autres messages à dire, vous pouvez les dire aussi. Enfin, Madame la bourgmestre, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Marie-Paul, c'est à vous. Ben oui, donc, si tout a été dit sur le fond, moi, je n'interviens que pour une question de forme. J'ai 2 remarques à faire. Dans le projet de délibération, ce qui m'a un peu heurté, c'est que dans le préambule, on y interpelle la bourgmestre. Il y a un attendu qui la concerne en particulier. Je crois que c'est tout à fait superflu et inapproprié que de le faire. Ça, c'est une première remarque. Et la deuxième concerne alors le dispositif de la décision. Alors là, je rebondis sur ce que Yves et Charles ont dit par la suite, c'est qu'effectivement, la décision ne repose pas sur simplement une proposition d'alternative plus, mais c'est une décision qui appartient au conseil communal dans sa totalité. Voilà, c'était ces deux observations-là que j'avais l'intention de faire ce soir. Si je peux intervenir, Marie-Paul, par rapport à Mme la bourgmestre, c'était simplement mettre en avant le travail qu'elle avait déjà produit auparavant. C'était simplement ça qu'on voulait mettre en avant. C'est superflu, c'est voilà, inapproprié pour moi. D'accord, ben ça va, mais enfin, c'était dans ce sens-là, rien d'autre. Merci. Yves ? Oui, mais moi je vous remercie tous pour vos réponses. Simplement, comprenez bien le sens de mes réflexions et je pense que vous y avez répondu largement. Je ne voudrais pas que cette plateforme qu'on met en place soit juste un centre pardon, de discussion où on va se fait valoir et on dit, regardez, le conseil communal de SPA prend des mesures, fait des choses en place et où simplement on va se réunir, discuter et où il n'y aura pas, ou en tout cas pas rapidement, des réalisations concrètes qui en découleront. Alors, j'entends bien toutes vos réponses et vous me rassurez par rapport à cette volonté-là. J'entends aussi que finalement, le but est d'avoir un retour qui vient des secteurs directement concernés, donc du terrain. On essaie de ne pas y faire de politique. Je m'interroge dès lors sur la nécessité que le secteur politique y soit autant représenté. Voilà, si on veut faire remonter des choses du terrain,
C'est vrai qu'on est là, qu'on aura tous des propositions à y faire. Nous, on est disposés à y participer. Mais il faudra vraiment, à ce moment-là, faire en sorte que nous, conseillers communaux engagés en politique, on y ait un rôle finalement qui ne soit que mineur pour permettre aux acteurs concernés de prendre les initiatives et de faire vivre cette task force, de faire vivre cette plateforme. On est à l'origine, le conseil communal propose, eux disposeront et en feront ce qu'il deviendra. Ça, il faut vraiment, je crois, y veiller pour que les objectifs que vous souhaitez, qui ont été exprimés ce soir, puissent être réalisés. Charles, tu as demandé la parole. Oui, très brièvement, simplement par rapport à ce que vient de dire Yves, de réaction. Quant au rôle d'une task force, je veux simplement dire aussi qu'on a rarement raison seul et il se fait que beaucoup de communes sont évidemment en train de mettre en place pareille structure et qu'il y aura certainement, et c'est souhaitable, quand je dis certainement, c'est à coup sûr, des échanges entre ces différentes structures de bonnes idées et ce sera aussi un des rôles de ces structures, c'est d'échanger les unes avec les autres et de pouvoir effectivement prendre en compte des actions spécifiques menées dans telle ou telle commune. Et en ce qui concerne le rôle des politiques, voilà, je suis désolé, mais je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, je suis désolé de le dire, de cette espèce de bashing permanent du politique. Moi, si j'étais commerçant pour le moment ou si j'étais dans des difficultés particulières liées à cette crise de la COVID, je serais très heureux d'avoir à mes côtés dans ces discussions des personnes qui, journellement, sont en train de mener des réunions, d'avoir une vision, je pense, fort large et fort informée de la situation. Je parle en particulier de la bourgmestre et du collège. Ce sont des réunions énormes. On ne dira jamais assez, bien sûr, que c'est son rôle, mais que c'est un rôle extrêmement lourd, extrêmement prenant et qui lui a permis aussi d'avoir une compétence et une connaissance spécifique. Je parle de la bourgmestre, mais je peux associer là-dedans l'entièreté du collège. Je pense que ce serait une erreur fondamentale que de ne pas se servir de cette connaissance, de ces talents et de cette disponibilité qui est celle des différents politiques, tout parti confondu. Je pense que chacune et chacun d'entre nous, on est mobilisé, on est pleinement mobilisé. Il faut arrêter de considérer que parce qu'on fait de la politique, on est suspect. On est suspect. Moi, je me sens extrêmement suspect d'essayer d'être aux côtés de la population. Et j'ai envie d'être cela et rien d'autre. Et donc, bon, moi, si on me dit que je ne suis pas utile, ben je me considérerais comme non utile. Mais ça ne me paraît pas ce que les commerçants, les forces vives de la ville attendent de nous. Je pense qu'ils attendent de nous une pleine et entière mobilisation. Et voilà, c'est bon, hein, c'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on est autre chose que des citoyens impliqués et ayant toutes et tous, quelle que soit nos tendances politiques, envie d'apporter les bonnes solutions. Donc moi, ce côté systématiquement on tape, et je m'empresse de dire, Yves, la première fois que je t'entends dire ça, d'autres l'ont dit à d'autres moments, voilà, c'est quelque chose qui me lasse un peu. On est tous des passionnés, on est tous des citoyens impliqués, et voilà, moi je suis fier de ça, hein. J'assume et je trouve ça très bien et franchement quand j'entends ça c'est pas tellement pour moi mais je pense à la bourgmestre en particulier dont je sais à quel point les nuits sont courtes depuis des mois je pense qu'elle si on lui dit qu'elle n'assiste à aucune réunion elle s'en réjouira mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Pardon Yves, excuse-moi mais non je voulais juste dire c'est pas du tout l'esprit de ma réflexion et je crois que si j'étais dans un esprit de bashing de la politique, je ne serais pas présent depuis 2012 puisque c'est là que j'ai commencé à faire mes débuts. C'était pas du tout mon propos. C'était simplement pour bien comprendre et si je dois prendre mon exemple personnel, moi je suis pas commerçant dans ce sens que j'ai pas ici à Spa. Un établissement où j'ai besoin d'avoir de la clientèle pour qui vient acheter ma marchandise. Je suis pas restaurateur, je suis pas artiste, donc j'ai pas d'expertise pour ça.
Moi, je suis juriste et je viens au conseil communal avec ces compétences-là. Et donc, si je vais participer à une task force de cet ordre-là, c'est pour écouter ce que les commerçants et les gens qui ont besoin de cette aide demanderont, proposeront, soulèveront, et avec mes compétences à moi, pouvoir essayer de les aider à trouver une solution. Simplement, je disais que puisqu'ils sont les personnes concernées par la décision de ce soir, ce sera à, je pense, eux qui devront être vraiment à la manœuvre et à l'initiative. Et nous, présents, en tout cas les membres politiques qui seront présents dans ce groupe, seront là pour les écouter, pour les accompagner, mais pas dans un rôle, comment dire, prépondérant par rapport à ça. C'était la seule réflexion que j'avais à faire. Sinon, on est d'accord, hein, Charles, c'est bien pour ça qu'on s'est tous engagés pour le conseil communal. C'est justement pour venir essayer de trouver le mieux-être et de travailler dans l'intérêt de tous les Spadois. Et on est là pour ça. Hein. Donc, il n'y avait aucun propos dénigrant de ma part, absolument pas. Je n'en doutais pas, Yves, c'était l'occasion pour toi de le dire. Et moi, simplement, je pense à Wimin qui... non seulement était échevin, mais mes médecins, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vécu ça en première ligne. Je pense à Nicolas, qui a essayé de mettre toute une série de choses en place. On en a parlé lors de l'Assemblée générale, de l'Office du tourisme, où il y a des choses absolument remarquables qui ont été effectuées par toute une équipe, bien évidemment. Je pense à Francie, qui n'en dort plus, je le sais, depuis des mois. Je pense à Johan, je pense à Paul, enfin, je pense à Charlotte. Je me dis à un moment donné, je peux comprendre que les uns et les autres se sentent par moments pas nécessairement en capacité d'eux, mais voilà. Moi, je crois en tout cas que les politiques, ils ont aussi un rôle à jouer, ils ont des compétences, il y a... voilà, c'est très difficile, évidemment, c'est pour ça que je le fais, et que l'un l'autre lève le doigt en disant « dites, moi, je suis quand même un peu médecin et je vis ça en première ligne depuis des mois ». Ben oui, et il se fait qu'en plus, il est au collège, le gars. Donc, moi, je pense que toutes ces personnes-là, toutes ces forces vives, ben, elles ont quelque chose à apporter à la réflexion et elles se sont mobilisées depuis des mois, elles n'ont pas attendu la mise en place de cette force de frappe. Et je crois qu'elles seront utiles. Après, il est évident que cette force de frappe, elle doit servir à faire remonter, évidemment, le véhicule et les difficultés des acteurs de terrain qu'on n'entend pas. Et a priori, le collège, il peut s'exprimer. Mais s'il est à l'écoute, je parle du collège, des politiques en général et de nous toutes et tous, bah, c'est plutôt une bonne chose. Et je crois qu'il y aura plus dans 21 têtes que dans 5. Voilà. Mais voilà, c'est mon point de vue, mais je voulais le dire parce que j'entends trop souvent, et pas que ce soir, que voilà, le politique, ben moi, je ne peux pas prendre mes responsabilités et dégager à la fois, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai envie de prendre mes responsabilités parce que parfois, je n'endors plus non plus, et voilà. Mais je crois qu'on est d'accord, essentiellement. Merci, Charles. Franck, tu as levé la main après Monsieur Mordant. D'accord, merci Sophie. Donc oui, bien sûr, Charles, ce que tu viens de dire, tu as tout à fait raison. Le travail du collège, bien entendu. Il y a aussi le travail de l'ensemble des conseillers communaux. Et c'est vrai que nous aussi, on se retrouve sur le terrain. On va aussi dans les commerces. On parle aussi avec les commerçants. On fait aussi des propositions au conseil et au collège, puisque bien entendu, nous n'avons pas de pouvoir de décision et c'est le collège qui exécute, c'est une évidence. Mais ça n'empêche qu'effectivement, le collège et tous les acteurs du conseil communal, tout groupe politique confondu, on en est certain, ben, sommes attentifs à cette problématique importante au niveau des commerces spadois, où l'on voit qu'il y a de grosses difficultés. Donc pour nous, voilà. Donc, on se réjouit d'entendre ce soir quand même un mouvement positif dans le sens de l'adoption d'une proposition qu'on pourrait qualifier de l'ensemble du Conseil. Donc, bien entendu, Yves, on s'excuse par rapport à l'omission tout à fait involontaire dans le texte, bien entendu, et également Johan, même s'il était englobé dans la majorité.
on est bien conscient que tout le monde est d'accord ici autour de la table et est parfaitement, s'inclut parfaitement dans cette proposition. Voilà. Je ne sais pas, Mme Laboukoumès, s'il y a moyen de faire un résumé pour M. Tasquin pour essayer de voir comment on pourrait amender ce texte en séance pour pouvoir le voter, parce que je pense que c'est important. Enfin, nous pensons tous les 21, que c'est important de le voter ce soir. Comment pourrait-on résumer les choses, Mme Laboukoumès? Donc, M. Tasquin, après que M. Mordant ait pris la parole, M. Tasquin va projeter le partager. La proposition et nous amenderons la décision. Monsieur. Entendu, merci. Merci. En fait, je rejoins Franck ce qu'il y a de dire par rapport à Yves et à Laurent. Simplement, voilà, bien sûr, on est ensemble et vous êtes présents aussi, si même vous n'avez pas été mentionné. Je tenais à le faire remarquer aussi et à le dire au nom de notre groupe. Ça va, merci. Ok, voilà, Monsieur Tasquin va projeter. Monsieur Mordant, Gilles, peut-être, vous lisez. C'est pareil, moi, Madame Laboukoumès, si Monsieur Mordant veut commencer à lire, moi, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Non, mais on ne pourrait pas le faire un peu plus grand parce que franchement, c'est un peu petit, excusez-moi. Alors, Monsieur Mordant, Monsieur le directeur général me demande pour prendre la parole au début, donc je vais laisser Monsieur le directeur général prendre la parole et puis vous laisserez la parole. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu mieux? Ouais, parfait, merci, merci, M. Tasquin. Oui. J'ai juste une remarque par rapport à la forme. L'article 11-22-35. Attendez, permettez. Voilà. L'article 11-22-35 du CDLD, en fait, vise les conseils consultatifs. Ce qu'il est prévu d'instaurer ce soir n'est pas à proprement parler un conseil consultatif, et j'ai peur, en fait, que l'on confonde justement cette task force avec les conseils consultatifs, qui sont donc ces organes de type jeunesse, sport, patrimoine, enfin, vous voyez, donc où ce sont des membres exclusivement politiques qui sont représentés. Donc, j'aurais proposé de ne pas viser l'article 11-22-35, qui est donc l'article qui vise exclusivement les conseils consultatifs, mais l'article dont je n'ai plus le numéro en tête, mais que je peux retrouver, qui est l'article qui vise simplement la compétence générale du conseil en matière d'intérêt général. Donc, je vais retrouver le numéro, mais en tout cas, c'était pour ne pas viser cet article qui ne concernait que les conseils consultatifs, vu que j'ai peur qu'il y ait un mélange des genres et qu'on ne s'y retrouve plus par rapport au vrai conseil consultatif, entre guillemets. Donc, je suppose que ça ne pose pas de problème particulier. Ça va, je mettrai en rouge et j'irai prendre le bon numéro par la suite. C'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas pour l'instant. Voilà, monsieur. Ouais, ça va, merci. Donc, je ne lis pas l'article. Vu la souffrance rencontrée par certains secteurs suite à la cessation de longue durée de leurs activités, vu les impacts essentiels qu'ont plus particulièrement subi les secteurs culturels, sportifs, des indépendants et touristiques, dont les activités sont partiellement ou totalement à l'arrêt depuis mi-mars, engendrant une absence complète de revenus pour de nombreuses personnes y travaillant, vu la nécessité d'envisager une aide communale dont la forme reste à déterminer, après avoir mené des concertations nécessaires, attendu que la pandémie du COVID-19 et les mesures sanitaires éditées en vue de lutter contre cette dernière ont mis à mal l'économie de notre territoire communal, attendu qu'une relance économique postérieurement à la dite pandémie sera
davantage efficace dans l'hypothèse où des secteurs complémentaires ne se livreraient pas à une concurrence inappropriée, attendu que la richesse de notre commune réside notamment dans son dynamisme touristique, culturel, associatif et économique, attendu que la mise en commun de plusieurs opinions spécialisées dans des secteurs différents peuvent enrichir la construction collective d'une sortie de crise pour les secteurs impactés, attendu que les synergies d'acteurs locaux constituent un vecteur d'approche de la dite construction collective, attendu qu'aujourd'hui, nos commerçants, en plus de faire face aux problèmes du Covid-19, comme dans d'autres communes, d'autres provinces et bien sûr d'autres pays, sont confrontés chez nous à SPA aux problèmes des travaux qui jalonnent les endroits stratégiques de notre ville, attendu que la rue Servet, en raison des travaux, est fermée depuis décembre 2020 pour une durée d'un an, à l'exception du trottoir, côté commerce, attendu que les travaux de la place de l'Hôtel de Ville ont débuté le 17 septembre 2019 pour une durée de 80 jours ouvrables et qu'à ce jour, du 30 décembre 2020, ils ne sont toujours pas terminés, attendu qu'avant la fin des travaux des anciens thermes prévus en août 2022, les aménagements du pourtour du futur hôtel, les anciens thermes devraient seulement arriver à leur terme, impactant fortement la vie commerciale du site. Attendu qu'à ce jour, il y a, à cause de divers travaux dans notre ville, suppression d'environ 263 places de parking et que si on estime à 2 le nombre de personnes dans une voiture et à 3 le nombre de rotations sur la journée, on obtient ainsi le nombre d'environ 1500 clients potentiels qui réfléchiront à 2 fois avant de venir faire leurs achats dans notre ville. Attendu qu'à ce jour, de nouvelles réglementations gouvernementales provinciales sont appliquées pour cause de résurgence des infections du Covid-19. Monsieur Mordant ? Oui. Je pense que Gilles souhaite intervenir depuis quelques paragraphes. Donc, il a levé la main. Oui, pardon. Oui, merci, Madame la Promesse. Que, on puisse le faire en direct ici. Donc, pas relire tout, mais les endroits, effectivement… Ah, pardon, je n'ai pas compris, ça va. Débat tout à l'heure, je lui laisse donc la parole. Oui, merci Madame la Bourgmestre. Ben voilà, nous, comme la proposition d'amendement qui vous a été faite était de supprimer l'onglet travaux de cette task force, je pense qu'au nom du groupe, je peux demander la suppression de ces attendus et de ces articles, puisqu'ils font référence à l'onglet travaux que nous souhaiterions supprimer de cette task force, simplement. On ne va pas venir qu'à débat. Moi, je trouve qu'il faut… Enfin, les travaux impactent également. Et je trouve que le cri des commerçants que l'on a eu par rapport au Covid et par rapport aux travaux, il était mêlé. Maintenant, qu'on veuille faire… qu'on demande à supprimer… Le but ici, c'est qu'on sorte vraiment grandi d'une réunion comme aujourd'hui avec un projet. Si demain, on peut demander à remettre les travaux dedans, on le mettra. Mais il faut absolument qu'on sorte grandi et avec un projet commun. Si aujourd'hui, vous désirez retirer cet amendement sur les travaux, ben, on ne peut qu'accepter parce qu'on ne veut pas reporter. Mais je trouve que si autour de la table, on trouve qu'il faut absolument travailler sur cette problématique-là, il faudra absolument aussi faire un amendement et y revenir. Mais si Franck a levé la main. Je n'ai pas vu, excusez-moi. Oui. Donc effectivement, si vous souhaitez le supprimer, ben, ce n'est pas un souci. Je pense que de toute façon, la task force, à un moment donné, elle évoluera. Et qu'il y aura des thématiques qui arriveront sur la table d'elle-même, puisqu'elle vivra en fonction des nécessités et des événements qui se produisent à SPA et des difficultés rencontrées par les uns et les autres. Donc, si les travaux, ben, nous sommes persuadés que c'est un élément important, mais que vous souhaitez qu'on les retire, ben, retirons-les. Et si à un moment donné, lors des discussions, on se rend compte qu'il faut en parler, ben, on en parlera de toute manière. Je pense que les acteurs de cette task force vont pouvoir vont guider eux-mêmes, je veux dire, les débats et verront les urgences et les nécessités. Donc voilà.
Simplement, Madame la bourgmestre. Parle, oui. Simplement dire que pour nous aussi, la problématique des travaux est importante et que simplement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi ce que je veux, c'est qu'on ne mêle pas les deux. Ça, il n'en demeure pas moins que les questions qui peuvent être posées là peuvent trouver leur réponse et doivent sans doute trouver leur réponse à travers l'interpellation au conseil communal, à travers la mise en place d'une tenue de la commission des travaux, à travers des réactions qui ne manqueront pas, j'imagine, d'être de l'initiative de l'échevin. Enfin bref, je pense que cette problématique des travaux, elle ne va pas s'arrêter parce qu'on ne le met pas dans cette task force COVID. Bien sûr. Voilà, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on avance et qu'on se focalise vraiment sur cette problématique de la COVID et de l'après-COVID. Et il n'en demeure pas moins qu'on pourra mener les réflexions nécessaires dans tous les secteurs, en ce compris les travaux, dès que faire se pourra, hein, je pense que. Voilà, j'ai trois mains levées. Charles, j'ai Nicolas Tefnin, Paul Mathy et Franck Gazard, dans cet ordre-là. Oui, je voulais simplement formuler peut-être une proposition. Enfin, avant toute chose, ben, je remercie Paul et Franck pour leurs interventions. Et je pense qu'on a tous compris que ce qui était essentiel ici, c'était de sortir avec quelque chose. Merci aussi d'accepter que ce soit spécifiquement lié à la COVID-19. Et effectivement, Franck, je pense qu'il a raison, les discussions évolueront au fur et à mesure. Simplement, pour que ce soit peut-être plus facile pour le directeur général, est-ce qu'on ne repartirait pas de la délibée proposée par Gilles et Charles en supprimant la coquille relative à la commune de Theux, qui était finalement une proposition de task force uniquement par rapport à la COVID, donc ça c'est ce qu'on vient de convenir, mais en ajoutant différents membres de cette task force tels que proposés par Alternative Plus, UCM, ou comme proposé par Franci, REDS, BNI, etc. Enfin, je ne sais pas si ce serait plus facile ou si on continue à voter article par article. Voilà, je ne sais pas si c'est le mieux, mais c'est la proposition. Je pense, Nicolas, que Monsieur le Directeur Général est sur la base de ce document-ci et donc on restera sur ce document-ci. Okay, parfait. Ça va. Merci, Nalou. Oui, Paul. Oui, en fait, je voudrais m'adresser au directeur général pour lui signaler que même dans les attendus, il y a des erreurs flagrantes, notamment au niveau des travaux, puisque les travaux concernant l'hôtel de ville, les délais ont été allongés en fonction des travaux des concessionnaires qui sont venus après les travaux. Donc, ça veut dire par là, c'est que la date de fin des travaux, et ils sont toujours en ordre encore de 10 jours après janvier ici. Donc, Paul, je ne veux Paul, pas que... Comment on supprime tous les attendus relatifs aux travaux. Donc, oui. Il n'y a plus rien. Oui, mais enfin, en plus, ça, c'est fou. Donc, là, c'est M. le directeur général qui doit vérifier ce qu'on met quand même dans des attendus. Hein. Il n'y a plus ces attendus-là. Oui. Franck. D'accord. Voilà. Donc, simplement, en supprimant tous ces éléments-là, mais est-ce que plus bas dans le texte, on cite les problématiques qui sont traitées, c'est-à-dire des aspects sociaux, culturels, économiques, etc. Est-ce qu'on ne peut pas quand même remettre juste un tout petit mot par rapport aux travaux dans la liste, simplement, je dirais, établie. On pourra le voir à ce moment-là pour simplement, voilà, simplement dire que c'est aussi un des sujets qui pourraient être évoqués. Quoi. Mais sachant que ce n'est pas une liste exhaustive non plus, mais peut-être avec la volonté de ne pas impacter doublement différents... Enfin, je ne sais pas. Ouais, ce n'est pas une liste exhaustive. Quoi. Enfin, je ne veux pas répondre pour l'ensemble, mais voilà, pourquoi pas. En fait. Oui, si on met trois petits points après cette liste, on montre qu'elle n'est pas exhaustive. Effectivement, on pourra y ajouter tous les sujets, même un sujet auquel on ne penserait pas ce soir. Voilà, pour que ce soit lié aussi à la COVID. Je vous propose de reprendre la lecture.
Monsieur Mordant, vous reprenez la lecture. D'accord, oui. Mais en réalité, je pense que le texte, comme c'est le texte que nous avons proposé, mais qui est amendé par différentes autres personnes, est-ce que ce ne serait pas intéressant que Gilles Bruck le reprenne et que l'on a directement aux modifications demandées, non? Parfait. Gilles, tu reprends la parole? Oui, donc je reprends la lecture où elle en est maintenant, alors. Donc, on est au noir, là? Oui, c'est ça. Oui, donc, attendu qu'à ce jour, de nouvelles réglementations gouvernementales et provinciales sont appliquées pour cause de résurgence des affections du COVID-19. Attendu qu'à ce jour, personne ne sait combien de temps les nouvelles réglementations resteront en vigueur, ni si elles seront encore plus drastiques. Attendu que vous, Madame la Bourgmestre, vous avez mis en place... Pardon? Celui-là, avec Marie-Paul, la proposition de Marie-Paul de dire que ça n'avait pas sa place. Oui, on supprime. Cet attendu-là, on le supprime. C'est ça. Oui. Voilà, donc attendu que dans notre ville, nous avons la chance d'avoir plusieurs organismes bancaires qui connaissent très bien leurs commerçants. Attendu que dans notre commune, des citoyens compétents en la matière seraient prêts à vous, à vous épauler pour relever les défis. Attendu qu'il y a... À des nous épauler. Mais c'est à ça que je pensais, en effet. C'est à nous épauler, en référence à l'ensemble de ce conseil. Attendu qu'il y a déjà en place dans notre commune une association des commerçants très dynamique. Attendu la liste de problèmes suivants. Donc là, je pense qu'on peut ajouter, si tout le monde, si personne n'y voit. On les enlève, hein, puisque c'est relatif aux travaux. Oui, en effet. Oui, tout à fait. Pardon. Là, je pense que le prochain, on peut le garder. Considérant la mise en place d'un organisme spécifique doit être dédié à cet effet, considérant la nécessité pour les autorités publiques, après avoir géré l'urgence d'aujourd'hui, de préparer les défis de demain, considérant que les citoyens et les acteurs non politisés doivent être représentés au maximum, décide... Donc ça... Donc, il y a une réaction d'Arnaud ici sur le A. Hein. Donc, il manque un A dans un attendu. Voilà, Franck, c'est corrigé. Mais moi, je dis, Sophie, je suis désolée, mais comme je n'ai pas la possibilité de me faire voir, je mettrai le considérant que la mise en place d'un organe spécifique doit être décidée à cet effet. Je le placerai juste après celui qui suit, considérant la nécessité pour les autorités publiques. Voilà, comme ça me paraît plus logique. D'accord, vous avez raison. Franck, tu avais une intervention. Franck, tu avais une intervention? Oui, donc effectivement, on conserve le considérant que les citoyens et les acteurs non politisés doivent être représentés au maximum. Ce n'est pas incompatible avec la présence de politique dans la commission, quoi, en fait, dans la task force. Hein. Ce n'est pas incompatible, c'est intéressant d'en avoir un maximum, donc pas de souci avec ça. Voilà, on repart sur la décision, donc. Oui, je continue. Oui. Donc, de la création d'une plateforme de concertation pour faire face aux problèmes provoqués. Alors là, je pense qu'on irait seulement sur la COVID-19 dans notre ville, oui. Supprimant les travaux. Voilà, de article 1, créé parce qu'elle est l'union, parce qu'elle est le fruit commun, je dirais, du conseil communal. Oui. L'unanimité du conseil communal, enfin, on peut espérer. Quel est le fruit? Créé à l'unanimité du conseil communal. Oui. Simplement. À la demande unanime du conseil communal, je ne sais pas. Ça, ça paraît dans la délibée, hein, ça. À l'unanimité décide. Hein. Donc, pour moi, c'est parce qu'elle est le fruit commun du conseil communal. Hein. Oui, c'est bon. Ouais. Wow, c'est superflu, ça. On va parler d'unanimité des groupes. Ouais, oui. C'est même pas nécessaire. À partir du moment où on est unanime pour prendre la décision. Donc, on enlève l'article. Vous voilà. Avez... Excusez-moi, mais moi, je suis juriste et des décisions, en tout cas,
des motivations et des dispositifs, j'en réduis souvent. Et c'est vrai que ce genre on vient de l'enlever, c'est très bien, mais de considération dans un dispositif, c'est superflu. Hein. On doit juste reprendre et se limiter strictement à reprendre la décision qui est prise. Hein. Donc, parce que c'est le fruit commun, etc., de la réflexion de tous, ça, à la limite, ça peut faire partie d'une motivation, mais certainement pas d'un dispositif. Comme par exemple, en dessous, hein, quand on dit le membre compétent, là, à la fin du 2, membre compétent, la matière est prêt à vous épauler, ça, c'est superflu, ça n'a rien à faire dans un dispositif. Mais pour l'article 1, alors, si le directeur général peut remonter, que je puisse voir. Voilà, donc, décide de la création d'une plateforme de concertation pour faire face aux problèmes provoqués par les travaux et la COVID-19 dans notre ville, avec la collaboration des commerçants, des organes. Enfin, voilà, en fait, on pourrait le faire de cette façon-là si. Voilà. À l'intervention. Et dans l'esprit de celle déjà installée, ça, c'est du superflu, ouais. Donc, comme ça, Yves, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et moi, avec la collaboration, ça veut dire qu'ils nous aident. Je pense qu'ils vont être les premiers acteurs. Hein. Moi, je dirais… Je ne mettrai rien plus. Je vais supprimer peut-être toute la phrase. Mais en réunissant toutes les forces vives, ça a disparu, mais… attendez. Oui, avec la collaboration des commerçants. Moi, c'est juste avec la collaboration qui me paraît… En fait, quand je lis comme ça, ça me donne l'impression qu'on les met un peu au second plan, qu'ils sont là pour nous épauler. C'est nous qui sommes là pour les épauler. Donc, concertation. Ce qu'on avait mis avec Gilles, qui pourrait peut-être convenir, c'est de mettre en place une task force destinée à la mise en œuvre d'une aide substantielle aux acteurs culturels, sportifs, touristiques et indépendants de la ville de Spa suite à l'inactivité prolongée provoquée par la crise de la COVID-19. Mais... Ouais, to the point. Ou en impliquant les commerçants, les organismes bancaires. Oui, ou alors avec comme acteurs principaux. Hein. Mais le point suivant, c'est… Et de... Oui, c'est le point suivant répond à tout ça. Donc, vous pouvez ne rien mettre. On peut ça. Voilà. Ben voilà, se contenter de ça. Oui. On ne va pas aller lire ça. OK. Je continue ? Oui. Oui. De composer cette task force comme suit. Présidence, ben ici, ce serait un membre du collège communal. Les membres, si je ne me trompe pas, nous souhaiterions juste. Il y avait la proposition donc d'ajouter un membre des REDS, si je ne me trompe pas. Oui. Donc il y a un représentant de l'administration communale du service dynamisation commerciale en particulier. C'est ça. Oui. Tout à fait. Ensuite, un représentant. Soit, pour moi, c'est dans le milieu économique, REDS ou BNI international. Ça ne doit pas être mis dans la parenthèse. Là. Mais oui, ce ne serait pas dans la parenthèse. Dans la parenthèse du milieu économique. Je le mettrai dans la parenthèse quand c'est un représentant ici du milieu économique, UCM Bank, REDS BNI, je mettrai la même chose. Des représentants. Non, ça vous fait une personne de plus. Oui, mais ce n'est pas un représentant, c'est un représentant de chacun. Oui. C'est un représentant de chacun. Allez, il faut le préciser alors. Hein. Ah oui. Un représentant de l'UCM, un représentant des banques, etc. Hein. Des représentants issus du milieu économique. On voit qu'il... Oui, il faut mettre au pluriel. Hein. Ah oui. REDS suffirait. Vas-y, moi, ça REDS. Voilà, monsieur le directeur général préfère les citer tous. Donc, Ah oui, alors. Oui, s'il faut chacun. Pourquoi ne pas simplement mettre un
ou plusieurs représentants issus du milieu économique ? Parce que... Non, mais monsieur le directeur général veut que ce soit plus clair. Mais le but ici, vous définissez un cadre, le but c'est qu'il puisse facilement être exécuté. Si on se retrouve demain en ne sachant pas si on désigne un pour chacun, un pour tout le monde, si on peut choisir, si on en prend un, deux, trois ou quatre, ça va être un peu désordonné, pour être poli. Donc je préfère qu'on mette clairement un de chaque, qu'on sache directement vers la délibération, il y a 10 puces, donc il y a 10 membres. Voilà. Ça évitera toute éventuelle contestation ou... Alors, ça peut être, on met UCM, mais ça peut être n'importe quelle caisse d'assurance sociale, guichet d'entreprise. Ça peut être de Sécurex également. Ils ont les mêmes... Je n'ai d'affaires chez personne. Donc. Oui. Un guichet d'entreprise, alors. Oui. Et là, on peut mettre en parenthèse UCM, Sécurex, si on veut. Ça fait combien ? Excusez-moi, mais Red CBNI, ça va faire du monde. Red CBNI, ce sont des cercles d'hommes d'affaires, on est d'accord. Donc, ce sont des cercles spadois, hein, c'est réseau des entrepreneurs spadois. Oui. Et BNI, c'est le BNI qui est implanté à Spa. Hein. Parce que si c'est vrai, ok. C'est plus important. Et le Vauxhall Club, alors, il ne se réunit pas, lui, encore. Oui, mais alors on pourrait mettre de cercle, effectivement, et mettre en parenthèse Reds BNI, Vauxhall Club. Ou... Oui, c'est à ça que je pensais, parce que là, on est à... on risque d'en exclure qu'il ne serait pas content s'il veut y participer. Oui, tout à fait. Dans les demandes de Francie, il y avait le pôle social aussi. Oui, c'est ça. On voit dans le chat que Nicolas et Arnaud Hubert demande effectivement d'inviter un représentant du pôle social. Donc, un représentant du CPS et un représentant du pôle social ? Oui. Pour tout ce qui est ici, guichet d'entreprise, secteur bancaire, oui, donc pour RETS et BNI, je les remets dans un intitulé unique. Un représentant du milieu d'affaires ou quelque chose comme ça. Oui, moi pour le point 9 actuellement, un représentant spadois de l'Association des hôteliers restaurateurs. Tu as raison. Oui, merci. Moi, pour répondre à François, effectivement, pour éviter Reds BNI Spavo Club, je pense que c'est aussi un représentant spadois. Ouais. Francis. Oui, François, mais un représentant spadois de l'Association des hôteliers restaurateurs, et puis c'était tout. Non, mais moi, parce que si on met deux spas et environ. Mais c'est bon, ok, ça va. L'association. Ok, c'est l'association, c'est juste, c'est leur dénomination. Excusez-moi. Moi, juste, je m'excuse de venir avec ça, mais j'ai vraiment un problème de principe de préciser que les représentants du centre culturel, du CPS, du pôle social doivent être non politiques. Moi, je n'ai pas le souhait de m'immiscer dans le choix qui sera fait par le centre culturel, le CPS, de les représentants à ces réunions. On peut souhaiter, et je pense qu'on le souhaite tous, et ça fait partie du point précédent, qu'il y ait un maximum de non-politiques qui soient également présents, mais pourquoi imposer à des associations leur choix ? Moi, ça me paraît un peu limite, moi. Mais bon, voilà, c'est mon prince, c'est mon point de vue. Je voulais le dire. Oui, Franck. Oui, simplement, Charles, c'est on souhaite que le politique soit présent, mais je pense que dans le débat tout à l'heure, on a quand même ressenti le besoin qu'ils aient plutôt une présence plutôt discrète. Mm-hmm. Et voilà, l'objectif, c'est qu'on pourrait avoir un représentant du centre culturel qui soit politique, etc., et des autres instances aussi.
crois que c'est plus, on pense que c'est plus intéressant qu'il soit non politique, simplement. Je ne dis pas, enfin, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, Franck. Simplement, je me pose la question de, ben voilà, si jamais il n'y a pas vraiment de disponibilité pour X ou Y raison d'un non politique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère qu'à ce moment-là, telle ou telle structure n'est pas représentée? Qu'est-ce que veut dire politique? C'est un membre élu? C'est quelqu'un qui a qui est encarté, qui, enfin voilà, je reste un peu sceptique quant à cette volonté d'absolument mettre en avant le politique qui serait un peu suspect. Bon, le centre culturel, le CPS, et, enfin, ces différents organismes sont, me semble-t-il, en capacité d'envoyer la personne qu'ils considèrent la plus à même de venir donner leurs sentiments. Et je ne peux pas imaginer que on y mette un politique pour y mettre un politique ou qu'on y mette un non-politique. Enfin, voilà, je suis un peu gêné aux entournures d'expliquer à une structure ce qu'elle doit choisir comme représentant. Je ne trouve pas ça très... très démocratique, en fait, par rapport à ces instances qui peuvent quand même avoir leur choix, quel qu'il soit. Et je suis plutôt d'accord que tant mieux si, en plus des politiques, des non-politiques s'intéressent évidemment à la problématique et s'investissent. Je suis certain que ce sera le cas. Mais pourquoi l'imposer? Ça ne me paraît pas très correct par rapport à la liberté et à la dépendance de ces différentes structures. C'est pour ne pas, je veux dire, en retrouver de trop. Et je veux dire... un simple exemple, je veux dire, Arnaud Weber est au centre culturel, ben, alternative, je serais content qu'Arnaud Weber y soit en plus. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. La voix qui serait portée doit être plus la voix, dans le cas du centre culturel, des associations du centre culturel, plutôt que de personnes qui sont là dans le cadre communal. Même chose pour l'Office du tourisme, où il y a des représentants politiques et des non-politiques. Ben, c'est plus intéressant d'avoir un représentant de l'Office du tourisme qui soit plutôt quelqu'un vraiment imprégné par le tourisme. Honnêtement, quand on dit non politique, c'est, à mon avis, il faudrait peut-être préciser non mandataire. Honnêtement, Franck, je comprends ça et je suis pas loin de partager vraiment ce point de vue. La seule chose, c'est que je suis un peu gêné par l'imposition qu'on en fait à ces structures. Il peut y avoir des cas où il n'est pas trop le choix ou que sais-je. Enfin, voilà, moi, c'est par rapport à la dépendance des structures que ma réaction porte. Mais sur le fond, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc je vais... C'est un règle. Nicolas, tu fais la main. Oui, pardon. Moi, enfin, ce que je comprends, ce serait donc quelqu'un du... Allez, un membre du personnel des différents... De l'administration. Qui travaillent de façon dans ces différentes structures. On pourrait alors mettre pour le centre culturel la directrice du centre culturel ou son délégué, hein, quelqu'un que le directeur général faisant fonction du CPS ou son délégué, et ainsi de suite. Je pense que là, ça pourrait peut-être rencontrer. Oui. Je trouve que ce serait peut-être plus cohérent. Franck, tu as levé la main? Oui. Oui, donc, d'accord avec ta proposition, Nicolas, on est bien d'accord. Mais alors, quand on arrive... Oui, c'est ça. Alors, l'Office du tourisme, ce serait sa directrice. Le centre, d'accord. Oui, ça pourrait être une possibilité. C'est une personne, certainement, qui pourrait rassembler l'ensemble des avis des membres de ces groupes. Hein. Donc, ça pourrait être effectivement une proposition intéressante, Nicolas. On peut d'ailleurs enlever non politique à pôle social, puisque le pôle social n'est pas politique. Ce sont des représentants, des employés ou des bénéficiaires du site du CPS, comme Saint-Vincent-de-Paul ou d'autres organismes qui tournent autour du social. Ouais. Donc quoi, on mettrait à chaque fois le directeur, la directrice, oui, ou son délégué. Comme ça, on laisse les structures aussi choisir. Parce que bon, qui représente le CPS, c'est le président ou le directeur général ou personne qu'elle déléguera. Voilà. N'oubliez pas le problème que vous aurez entre la régie communale et l'Office du tourisme. Qu'est-ce qu'il y aura comme problème? Non, parce qu'il y a une ASBL, l'Office du tourisme. Je ne connais pas au fait du tourisme le centre culturel. Mais oui, ou la personne. La fouille, c'est la même personne. Oui, Bernard, mais ce sera
la directrice ou la personne qu'elle délégra. Qu'elle délégra, d'accord, oui. Voilà. Yves, as-tu des remarques par rapport aux propositions d'amendement? Non. Tu n'as rien à ajouter? Je me demandais, mais c'est comme ça, et finalement, je n'en vois pas l'utilité. Mais si on. Je sais pas, est-ce qu'un représentant syndical, non? Ce ne serait pas intéressant. Plus on est de fous, plus on rit. Mais je ne sais pas, hein, c'est une réflexion qui m'est venue comme ça. Mais... On n'a pas mis le Vauxhall Club aussi. Dans le cadre de l'Armance. Sophie, l'Arsène abominable quand tu parles. Mais oui, mais c'est parce que je suis à côté de François. Ça doit être François, mais dans la même tête. Quand il allume son micro en même temps, ça ne va pas. Ça me fait un Larsène aussi. C'est la faute de François, c'est bien. est-ce que... Ah, c'est plus moi, là. Est-ce que, bon, c'est toujours les questions qu'on se pose le moment venu, est-ce que le membre de chaque groupe politique représenté au conseil communal doit être conseiller communal ou pas? C'est effectivement une question qu'on se posait aussi. Bon, pas forcément. Ok. Je suis d'accord avec pas forcément. Voilà. Donc, oui, j'avais formulé, donc genre une personne choisie par chaque groupe politique ou quelque chose comme ça, mais pas spécialement membre au niveau du conseil communal ou de quelque organe que ce soit. Je vais voir comment formuler ça. Bah, un représentant. Hein. Donc, comme l'a dit Françoise Guyot, on n'a pas mis le Spa Vauxhall Club. D'accord. Oui. Est-ce que c'est systématique, est-ce que c'est au cas par cas, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas lieu d'envisager en tout cas d'inviter les forces de l'ordre, les pompiers, enfin bon voilà, les personnes qui, enfin les représentants des médecins aussi. Enfin voilà, des différentes personnes qui effectivement sont en première ligne, je pense à Oasis, enfin on peut en citer un certain nombre, qui pourraient être peut-être pas systématiquement invitées, mais être utiles en tout cas dans un certain nombre de réflexions qui pourraient à un moment donné se faire jour. Je ne prétends pas être exhaustif dans ce que je cite, mais d'ores et déjà, il y a quand même des gens qui mènent le combat, j'ai envie de dire, au quotidien, qui sont en première ligne, comme on dit. Et donc voilà, j'imagine que ces gens-là, à un moment donné, ce sera un peu étrange de se réunir en ne bénéficiant pas de leur expertise, dans un certain nombre de cas. Voilà, moi je crois qu'il faut l'envisager en tout cas. Mais il faut quand même définir le nombre de membres au total, hein, parce que si on se retrouve à 50, ou à 25, c'est beaucoup. Hein. Je pense que la proposition du Han est intéressante. On ira au stade Rambaudouin. Non, mais blague dans le coin. Je crois que ce sont quand même des gens qui vivent cette crise en continu depuis des mois. Et moi, j'imagine qu'à un moment donné, dans certaines réflexions et dans certaines idées qui peuvent sortir, ça puisse être intéressant de bénéficier de leur expertise. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. On ne se dise pas après, tiens, c'est pas étrange de ne pas avoir pensé à ceux qui, et je ne les ai pas listés, hein, mais on s'entend, mais qui sont très régulièrement, voire toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, en train de mener le combat. Franck, monsieur le directeur général. Est-ce que... Excusez-moi, j'ai été coupé. Est-ce que Charles, ta proposition, est-ce qu'on ne pourrait pas accepter que le groupe puisse faire venir des experts extérieurs? Oui. Ça permettrait d'ouvrir le groupe. Et effectivement, les personnes que tu cites, tu as tout à fait raison, mais elles pourraient être des personnes ressources qui viendraient éclairer les débats. Je pense que dans certains cas, ça serait utile, effectivement. Je ne suis pas sûr qu'il faut leur demander d'être présents à chaque fois. Mais voilà, c'est ça. Donc, on peut rajouter au-delà des membres que la commission a
la Task Force a la possibilité de faire venir toute personne qui pourrait éclairer les débats du groupe. Vas-y. Ce groupe, Sophie, existe déjà en réalité. Il y a déjà des réunions très souvent. Est-ce qu'on n'évoquerait pas les participants à ces réunions? Enfin, j'en sais rien. Moi, c'est pour avancer dans la proposition. J'en sais rien. Je pense qu'on peut effectivement mettre qu'on peut inviter des experts, une réunion ultérieure en fonction des sujets qui sont abordés. Enfin, des sujets, on sait que le sujet sera... la reprise après la COVID-19, ou en cours en tout cas, comme nous l'avons déjà vécu lors de la fin de la première vague et la reprise pour l'été. Excusez-moi, mais je viens de voir, M. Tasca, à l'unanimité simple, on paraît là, c'est pas plutôt la majorité. On peut espérer l'unanimité. Oui, mais parce que à l'unanimité simple, oui, oui. C'est bizarre comme point. Question qu'on se pose fréquemment également. Donc, un représentant désigné par chaque groupe politique, d'accord. Est-ce que le président, qui est donc membre du collège communal, est en dehors de ses membres politiques? Ou est-ce que par nature, le MR ou le SPA aura comme représentant le membre du collège qui aurait été désigné? Oui, il est excellent. On verra vu ce qu'il est là. Oui, je vais le voir sur mon écran. Ah, tu l'as là. Si c'est synchronisé. Bon, en général, il y a le membre, le président est torcorum en général, d'habitude. Ça me paraît logique. Le conseil qui décide. Moi, ça me paraît logique. Des personnes différentes, en effet. Mais pas de souci. Oui. De toute façon, c'est un groupe qui aura des débats constructifs et je veux dire, c'est pas un souci si le membre du collège est aussi dans un groupe politique. Ça risque. Ok. Bon, on va refaire le point. Donc, un membre du collège président. Outre le président, un représentant désigné par chaque groupe politique représenté au conseil communal. La directrice du centre culturel ou la personne qu'elle déléguera. Le DGFF du CPS ou la personne qu'il déléguera. Un représentant du pôle social communal. La directrice de la RCA ou la personne qu'elle déléguera. Le directeur du centre sportif de Warfa ou la personne qu'il déléguera, la directrice de l'office du tourisme ou la personne qu'elle déléguera, un représentant du service communal de dynamisation locale, un représentant de l'ACS, un représentant spadois de l'AHRSE, un représentant d'un guichet d'entreprise, un représentant du secteur bancaire, un représentant de REDS, un représentant de BNI, un représentant du SPA Vauxhall Club. Au total, ça fait 19 membres à l'heure actuelle. La plateforme de concertation à la majorité simple de ses membres peut inviter un ou des experts à sa réunion ultérieure en fonction des sujets abordés. Il reste quand même une question au sujet des membres. C'est de se poser la question de la façon qui va être utilisée pour les désigner. Donc, un représentant du secteur bancaire, ok, mais comment va-t-il être désigné parmi les différents représentants du secteur bancaire potentiel? Je pense que le représentant du secteur bancaire est une fausse bonne idée, parce qu'effectivement, je ne sais pas qui va le désigner. Mais voilà, je me suis lancé. Même chose pour le guichet d'entreprise. Hein. Peut-être aussi. Il peut être consulté, hein, non? Un représentant des... Mais oui, Paul... financiers peut être consulté, non, Charles? Oui, mais alors invitons-le le cas échéant. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'honnêtement, déjà désigner maintenant quelqu'un d'une banque ou d'une autre, oui, oui. Comprendre une proximité, je n'ai pas de souci avec ça. Mais
c'est quand même compliqué par rapport aux autres, hein, de leur dire c'est celui-là et pas celui-là. Il n'y a pas de. Donc, invitons les bonnes volontés qui se font connaître, oui, mais. Ça risque d'être problématique, sinon, en effet. Je fais sauter alors. Je pense qu'il faut faire sauter. Moi, je pense. Ouais. Et on les intègre alors dans les membres qui pourraient être considérés comme experts et être invités ponctuellement. Chez Retz, il y a également un représentant d'une banque bien connue, dont je ne peux pas citer le nom, mais c'est possible qu'il soit également désigné. Je fais sauter ça alors. Je l'ai attendu. Parce qu'on ne parle plus des organismes bancaires, finalement, de la désignation. Bon, tout à fait, c'est assez bizarre aussi. Oui, tu as raison. Bien vu, François. Oui. Et donc les membres ici, ben, a priori, seraient désignables assez facilement, hein, vu qu'ils sont nommément cités, ou bien que des organes de type CA ou que sais-je encore sont susceptibles de les désigner. Et on arriverait alors au dernier point. Donc décide de charger cette plateforme de concertation de revenir vers le conseil, c'est plutôt en général le collège pour exécuter, mais bon, les organes compétents éventuellement, dans les meilleurs délais, avec des propositions précises à mettre en place. Oui, les organes compétents. Oui. Juste encore une remarque. Quand on met la plateforme de concertation, on peut inviter un ou des experts. On décide d'inviter, enfin, cette plateforme décide d'inviter la directrice du centre thermal. Elle est considérée comme expert. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas mettre, peut inviter un ou des experts ou force vive. Enfin, c'est-à-dire que le côté expert, est-ce que ça va englober vraiment. Je ne dis pas que Sylvine n'est pas expert. Enfin, je suis certain qu'elle l'est, mais. Enfin voilà, c'est juste le terme expert. Est-ce que ça peut englober vraiment toutes les personnes que demain. Personne ressource. Personne ressource. Mais Charles, vu ta réflexion, c'est vrai que ce serait peut-être bien d'avoir un représentant directement des termes. Oui, ou de ce pas monopole. On peut en rajouter, mais moi j'étais plus pour se dire qu'on peut inviter un peu tout le monde, mais le terme expert me paraissait un peu limitatif. Voilà, moi j'aurais peut-être mis force vive ou personne ressource, comme Francis le disait. Intervenant, c'était bien aussi. Voilà. Je mettais ici peut convier à ou des invités. Oui, voilà. Voilà. Force, oui. Ça, ça laisse une marge de manœuvre. Je ne pense pas à tout le monde. Je vais vouloir être exhaustif, c'est inévitablement en oublier, mais voilà. Il faut vraiment qu'on puisse inviter les gens en fonction des besoins. OK. On ne fixerait pas un délai pour. Excusez-moi. On ne fixerait pas un délai pour sa composition et sa mise au travail en demandant que. On puisse le composer au plus tard pour une date précise et qu'ils puissent se réunir au plus tard pour une autre date, histoire d'avoir des échéances et de faire en sorte que ça avance, quoi. Après, évidemment, il y a le risque que les organes compétents pour désigner la RCA, l'Office du tourisme, etc., ne se réuniront peut-être pas rapidement, mais bon, voilà. Oui, justement. Le but, c'est quand même qu'ils puissent travailler le plus vite possible. Hein. Donc, je pense que ça, on peut demander aux différents organismes de nous donner le nom d'un représentant pour le 15 janvier, par exemple. On est d'accord ? De toute façon, la décision, je prends l'exemple de la directrice de l'Office du tourisme, c'est elle qui est conviée et dans l'invitation, on lui dit qu'elle peut déléguer une personne pour la représenter. Oui. Ouais, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide, là. C'est elle qui décide, c'est pas le... C'est pas le CA, oui, effectivement. C'est pas le CA, hein. Même chose pour le centre culturel et même chose pour la régie communale. Tout à fait. Donc ça peut aller très vite. On est d'accord, on leur fixe le 15 janvier, on le met peut-être dans la décision, François.
C'est bien. Est-ce que ça convient à tout le monde? Sophie? Oui, oui. Comme il y a le directeur général du CPS, la ville ne mettrait pas son directeur général ou son représentant. Donc, on a au niveau de l'administration, c'est le représentant du service communal de la dynamisation commerciale. Ok. Ça te va? Oui, mais disons que. Mettre aussi. Ce n'est pas cette jeune femme-là qui va faire tout le boulot quand même. Non, en effet. Notamment. Administrativement, il faudrait quelqu'un. Oui. Administrativement, il faut qu'effectivement il y ait quelqu'un au niveau de la ville pour prendre les notes et. Assurer le secrétariat. Donc ça, il faut qu'on le note et aussi. Donc, monsieur le directeur général, il faut le noter, je ne sais pas où exactement. Le directeur général ou son représentant. Ou le délégué. Qui assure la fonction de secrétariat. Oui. Est-ce qu'on est d'accord avec ce texte? Il ne dit mot consent? Oui. Ah, ok, parfait. À l'unanimité? Oui, okay. Oui, Sophie, Ozonspan n'a pas de modification à faire. Je viens de le demander à Yves. Allez, excuse-moi. On a participé, on a donné notre avis, merci. Voilà. Merci, ok. Ouais. Eh bien, à l'unanimité, merci. Merci aussi. Merci aussi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Un très bon réveillon demain et une excellente année 2021. À l'année prochaine. Merci bien. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne année. Au revoir.